sa prière, on va la trouver. Hein. On est en prière. C'est sa prière. Un, deux, deux. Allez-y. C'est la prière. Oui, oui. Ouh. Le sol est bas. Tu fais tout en même temps? Il y a Philippe qui creuse. Il est bien gros ton sac. Pour mettre un petit carnet. 4 fois trop de trucs. Tu le prends pas, t'en as besoin. C'est ça, c'est toujours pareil. Tu le prends, t'en as pas besoin, ça t'emmerde. Thank you.
fond. Il descend un dernier puits de 5 mètres. Fond plat. Philippe a dit un petit couloir en air en bas. Et à ça de haut, tu as un trou qui est gros comme ça. Tu vois 50 cm et le coroner arrive là. Et toi ta lampe. Encore, c'est bon. Non, tu l'as rallumé là, c'est bon. Merci. Là, comme topo, c'est chiant en fait. Hein. Oh putain. Tu fais un mètre, tu passes un quart d'heure, temps de sortir les affaires, de faire le truc, de ranger le tout dans la fédale. Ouais, c'est fait, c'est plus à faire. Ouais, ça, c'est pas une topo géniale. Hein. Ouais, mais du moment qu'on, voilà, qu'on s'achète la profondeur des puits et... Ça en fait, mais et, bon, ben voilà. C'est pas la meilleure que j'aurais. Je m'en fous. C'est clair. Une merde à descendre ça. J'ai même pas pu enfiler le... Elle est pas rentrée, les perches. J'ai même pas une perche entière. Oh putain. T'as ton éclairage allumé, Philippe. Oui, oui. 2 secondes. Ouais, c'est l'odeur qui nous a fait sortir. Hein? C'est l'odeur qui vous a fait sortir? Bien sûr, on est pas fou, oh, lui. Tu m'étonnes. Même avec le Covid, tu vois, on a encore du nez. Tu sais qu'entre le courant d'air qui sort en bas et qui sort du, oui, du tube... Et t'as ta lampe. Pardon. Eh ben t'as quand même un bon petit courant d'air qui sort de ce truc. Ah ouais, c'est pas mauvais. Et finalement... Peut-être qu'un jour, ça vaudrait quand même le coup d'essayer. Oui. Essayer de quoi? Parce que c'est pas... Ça rejoint alors les deux puits ou non? Non. Non? Non. J'ai des obstrués en haut. C'est un gourd. J'ai enlevé les cailloux que vous avez mis. Dessous, j'ai rentré la perche sur 60 cm de glaise. Alors peut-être que ça correspond, mais... Ouais. C'est pas le bon chemin en tout cas. Puis en bas, c'est pareil, en bas... T'as ça de glaise au-dessus du remplissage qui est en dessous, tu vois. Oui, mais t'as ça, remplissage c'est... dessous, ouais. T'as encore ça à gauche, de... wow. Donc il y avait un truc beaucoup plus ouais, important. Bien sûr. Ça fait comme une arrivée de galerie qui vient du côté du remplissage, ouais. Et là, ça fait un truc rond et ça pince. Ça pince, ça transforme en diaclase. Tu descends à 45 degrés, voire plus. Alors de là, t'as du courant d'air. Moi, c'est là que je pensais à envoyer le caméscope. Il y a du courant d'air, mais il y a encore plus de courant d'air qui vient à l'endroit où la galerie est assez large, qui sort d'une niche, qui sort d'un plafond. Hein. Mmh. Ça fait vraiment un beau plafond calcaire. Et là, tu as des vieilles concrétions avec de la boue qui arrivent, ouais. À mon avis, qui arrivent du puits intermédiaire. Et là, sur le côté, tu as un trou comme le point, même pas le point. Hein. À peine. C'est, c'est au plafond de la galerie, en fait. C'est un petit chenal dans la voûte et ça a calcifié la boue en dessous. Donc, à mon avis, ça, tu le creuserais facilement. Hein. C'est pas la vraie section. C'est tout ce qui reste du remplissage. Mais là, tu mets la main dedans. Là. Oui, même sans la main, elle a la figure qui est sale. Ah oui, oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à ouvrir l'autre clôture pour la Stéphane, et puis on arrive. Et par contre, le problème, c'est qu'il faut encore remonter les gravats. Voilà. Et on pourrait pas les jeter, là, encore... Là, on les jetait, là, où tu as le sondé. Il n'y a pas un peu de place. Ouais, oui, on peut mettre 3 seaux, hein, mais... Ça sera vite rempli. Ça ira pas loin. Hein. Ouais, il faudra ramener une planche et puis... Mm. On n'aura pas le choix. Mais quand même, il y a...